Jetero, ça c'est le nom de l'entreprise, ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est moi, Jetro, je suis planqué dans le feu, il y a quelqu'un qui me fout la paix. Mais ce jour-là, ils m'ont accroché à l'arceau et j'allais passer une sacrée mauvaise journée. Là, je vous le dis, je me suis fait dessus, hein? Là, c'est un apprenti pilote, il m'a attaché à la voiture et il m'a dit, vas-y, va, tu vas faire un tour, Jetro, t'es trop petit, tu touches pas les pédales, alors on te met dans la voiture. Ils m'ont mis dans la voiture, je ne vous raconte pas, j'en ai pleuré de trop, je vous assure, hein? Voilà, alors là, en sortie standard, on est à je ne sais pas combien, avec la Formule 3, et alors, et comme ça, c'est un apprenti pilote, et tu ne sais pas s'il va sortir, ou s'il va rester sur la piste, ou tu es sûr de rien. Voilà. Là, vous voyez, à mon regard, je suis pas serein, hein. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire, monter sur le vibreur, percuter les plots, tout ça. Alors, comme ça, moi, je regarde sur la piste, je me dis, bon, il y a des gens, ils vont me détacher, ils vont dire, arrête-toi, tu es barjot, t'as jeté trop sur l'arceau. Non, rien que dalle, il n'y a personne qui a bougé le petit doigt, hein. Nada, hein. Vraiment, sacrée journée, hein. Je m'en rappellerai toute ma vie. Aïe, 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 aïe. Quel des souvenirs, ces photos-là, je vous assure, hein. Je me suis fait. J'ai été flashé par les flics en plus. Flashé, j'ai pas réussi la prune encore, mais ça va pas tarder, ça, non, ça, j'en suis sûr. Et Sabine, elle a arrêté la voiture, le pilote n'était pas bon, t'imagines? Regarde-moi ça, ils se font de la pub sur mon dos, hein, chez Jetero, là, ça va pas ça, hein? Oui, pour nous, oui, ils ont bel dos, oui.